Hello, hello, hello les potos, c'est Coach Pao. On se retrouve dans cette vidéo exclusive avec le chapitre 21 du spin-off officiel de Blue Lock, épisode Nagi. Après l'énorme révélation que le troisième membre de la team Nico Zantetsu était Hiragi Raiji, on avait vu qu'il avait un hobby autour du jeu de tarot en lisant l'avenir de ses adversaires histoire de les perturber et semer le doute en eux. Ce qui, inévitablement, s'est produit et avec la manière car le chapitre 20 du spin-off épisode Nagi t'a montré que Hiragi n'était pas juste un perso random mais bien un joueur avec des qualités. Outre son talent pour collecter les datas sur les joueurs et les utiliser à son profit, ce qui fait de lui avec Nico, qui est un expert en analyse tactique, donne un duo détonnant capable de briser les meilleures équipes à fort potentiel. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé car à ma grande surprise, Hiragi, de par une excellente conduite de balle, contrôle spectaculaire du ballon façon Nagi et possédant une détente énorme, bref, le Boog tamise son doublé et passe décisive pour Zantetsu. 1-2-3, viva Hiragi, comme je m'étais amusé à le dire. En lisant ce chapitre, tu te dis que Hiragi, il est trop fort, ou alors il est montré de cette manière pour rendre sa défaite encore plus amère, afin de sublimer la victoire de Baro, Nagi et Shigeri. Car oui, tu le sais, ils vont gagner et récupérer Zantetsu, le quatrième membre de la Team 2, et sera rejoint par Kiyora Jin, qui comme par hasard a eu droit à sa cover Blue Lock pour le tome 28, et qui devrait, quelques semaines après la sortie du tome 28, faire son apparition pour le chapitre 22, épisode Nagi, prévu début avril. Mais on n'en est pas encore là, et ce chapitre montre le trio Baro, Shigeri et Nagi en mauvaise posture, mené 3-0. Ils vont donc devoir faire une remontada pour soit s'imposer 5-3, ou alors 5-4, si la team Nico marque un autre but. On avait vu en fin de chapitre 20 que Hiragi malmenait psychologiquement Nagi, le traitant de génie ignorant, incapable de comprendre son talent, mais que le jour où il va rejoindre Hiragi, il pourra lui montrer comment devenir meilleur. Étonnamment, Nagi fut très discret dans ce chapitre, à la différence de la princesse et du roi, Baro et Shigeri, qui eux, te promettent qu'ils vont tout faire pour empêcher de voir Nagi leur filer entre les doigts. Du coup, ça c'est le contexte, donc de quoi il en retourne avec ce chapitre 21. Comme promis, Baro et Shigeri vont se battre pour garder Nagi. T'as l'impression que les deux se transforment en Réo avec l'idée de garder leur trésor. Mais pour Baro et Shigeri, leur volonté est forte de surmonter leur faiblesse que Hiragi s'est pas gêné de leur dire. Nagi, surpris de cette prise d'initiative de ses partenaires, leur demande c'est quoi leur plan. Mais en vrai, ils ont pas l'air d'avoir de plan, juste l'envie d'en découdre, ce qui met Nagi dans l'embarras. En tout cas, côté team Nico, ils s'interrogent sur ce rebond de motivation de leur adversaire, mené 3-0. Mais Hiragi en est persuadé, avec la carte du fou dans le tarot, c'est Nagi qu'il avait tiré pour lui au chapitre 19, lui signifiant une défaite, une grosse raclée, mais Hiragi n'a pas l'air de s'en souvenir, pensant plutôt à la victoire de sa team qui s'annonce. Hiragi ici est montré bien trop confiant et arrogant, ce qui signera sa perte. Le match reprend, Shigeri part à toute allure, Nico et Zantetsu sont sur lui, il sait que sa vitesse peut être contrée, alors il décide de varier sa course avec un nouveau move de sa part, le Jungle Jam Run, une course en zigzag pour déstabiliser ses adversaires et ça marche, Zantetsu et Nico n'y ont vu que du feu. En agissant ainsi, Shigeri crée une diversion qui pousse la team Nico à défendre sur lui, laissant les côtés libres. Conséquence, Nagi et Baro sont démarqués. Nagi avec le ballon le transmet à Baro. Et il fait face à Hiragi avec son sourire de sournois, curieux de voir s'il pourra surmonter sa faiblesse, qui est en gros de jouer perso sans jamais faire de passe. Et là, aux surprises, Baro fait une passe sans même que personne de son équipe lui demande le ballon. C'est bien la première fois pour moi dans le manga à ce moment de l'histoire, la seconde sélection, que Baro fait preuve d'altruisme. Ça surprend Hiragi à tel point qu'il reste scotché, impossible d'agir. Shigeri a de nouveau le ballon, Baro traite même Hiragi de faux médium, d'arnaqueur, car pour Baro, il est impossible d'être lu ou contenu par des données sorties tout droit d'un jeu de tarot. A voir avec les trades, mais Baro balance même qu'il est le premier mutant humain de l'histoire. Pour rappel, au chapitre 19, Baro a tiré la carte du pendu, qui signifie pour Baro devoir faire face à son ego et le surmonter. Résultat, même si Hiragi n'y croit pas à sa passe comme volonté de surpasser son ego, Baro lui dit que tout ça, cette façon de jouer qui ne le ressemble pas, est due à une seule personne, Yoichi Isagi. C'est parce que c'est Isagi qui l'a battu que Baro est prêt à mettre entre parenthèses son style de foot pour permettre de vite
le rattraper et le défier à nouveau. Encore une fois, preuve en est que Hisagi est le moteur de motivation de tous les persos importants de Bullock. Ainsi, dans un élan de grand délire mégalomane, le roi des terrains accepte de mettre son ego de côté pour vite revenir sur Hisagi, mais aussi prendre à contre-pied toute la stratégie de Hiragi, qui voit dorénavant Baro comme un lion nomade dessiné de manière à te montrer que le lion est fatigué, battu, n'étant plus le roi, un roi déchu. Du coup, on assiste à l'alliance des grands félins, Baro le lion et Shigeri la panthère. Où, sur cette double page magique d'une beauté sans égale, Baro passe le ballon à Shigeri, la puissance du lion alliée à la vitesse de la panthère, le Beast Rush Combo. Shigeri fait parler sa vitesse, se rapproche des buts de la team Nico, Baro lui demandant le ballon, mais l'ego de Shigeri étant le plus fort, il préfère shooter. Grosse frappe dans la lucarne du but, 3-1, Shigeri réduit le score, et ça y est, c'est parti, la remontada est lancée. Baro est dégoûté de voir que Shigeri lui a volé son moment, sachant qu'il a dû lui faire la passe, et tout ça pour le voir marquer. Tandis que Shigeri, tout sourire, montre encore une fois à quel point ce joueur est fort et qui marque. Malgré ce que des fans peuvent penser, avec sa blessure passée et avec ses traits féminins, Shigeri est de loin l'un des meilleurs persos de tout Blue Lock, injustement sous-estimé à mon avis. La team Nico ne sait plus trop comment gérer leur adversaire, sachant qu'ils sont bien différents de toutes les datas collectées par Hiragi. Même Nico n'a pas vraiment de solution. Pourtant, il a bien compris une chose, l'influence de Hisagi les a transformés, leur donnant la capacité de se sublimer au moment clé des matchs. Et bizarrement, il faut attendre la moitié du chapitre pour voir le héros de ce spin-off, Nagi, qui voyant ses coéquipiers performer, se dit que lui aussi doit se bouger. A noter que Shigeri et Baro sont vraiment dans une rivalité saine, à savoir lequel des deux va mettre le plus de buts, et ça fait plaisir de voir ça, je kiffe. La team Nico repart balle au pied, essayant de garder leur calme. Mais dans leur remontée de balle en mode furie, Baro arrive gros coup de pressing sur Nico qui perd la balle aussitôt. Et donc Shigeri se gêne pas à reprendre. On retrouve ici ce que Zantetsu et Nico avaient fait sur Shigeri, qui permet leur premier but, un double pressing. Et la grosse info, c'est que Shigeri nous dit une dinguerie, et si les cartes piochées au chapitre 19, par Baro, Nagi et lui-même, étaient plutôt destinées à leur adversaire. Pour Shigeri, le démon serait alors pour Nico, qui jouerait dans la mauvaise équipe, que le pendu selon Baro, il s'agirait plutôt de Zantetsu, qui pour Baro manque de patience et d'entraînement, conséquence directe, la sanction tombe, le roi des terrains donne une leçon au pendu Zantetsu avec un nouveau but 3-2. Puis on enchaîne avec le doublé encore un pour Shigeri, 3-3. Et avec cette double page, tu apprends comme un château de cartes, carte de tarot peut-être, que toute la stratégie de Nico de s'allier avec des joueurs assez conciliants, sans un énorme ego, comme Baro ou Shigeri, n'était pas la bonne tactique. Car dès que la première carte tombe, c'est tout le reste qui s'écroule, incapable d'avoir ce petit plus qu'ont Baro et Shigeri et Nagi. Voici les limites du style Nico. Avec un nouveau but de Baro, lui aussi se fait son doublé, la victoire est toute proche, 4-3 Team Nagi. Sauf que Hiragi est loin d'avoir abandonné, le regard noir, il se jure de leur montrer ce que vaut un spécialiste des données comme lui. Et là, on découvre à quel point Hiragi est un personnage antipathique à classer aux côtés de types comme Kuon. Vu qu'il parle de Zantetsu, là encore c'est une trade, mais c'est à noter, de connard à lunettes, tandis que Nico, lui, est un nain de jardin. Résultat, comme Kuon, Hiragi veut s'en sortir tout seul, prouver qu'ils sont tous des idiots et que sur ce terrain, il est le seul à être au niveau. Hiragi, la définition même de l'ego surdimensionné, un narcissique de première classe qui va se cracher sans même s'en rendre compte. Très énervé, Hiragi part à l'assaut des buts adverses, élimine grâce à sa technique Shigeri puis Baro. Nico et Zantetsu hallucinent de voir Hiragi en mode mission suicide. Son ego s'enflamme, il suffit de le voir dans ses yeux, voulant absolument prouver à tout le monde que la data est au-dessus de l'ego ou de l'instinct. Malheureusement pour lui qui se croyait être le héros de cette fin de match, Nagi apparaît alors qu'on ne l'avait quasiment pas vu du chapitre, interceptant le ballon via un contrôle de la poitrine. Nagi, qui a bien compris qu'il était un génie ignorant, a découvert quelque chose, partant en contre-attaque. Nico voit bien que ça sent pas bon pour son équipe, Hiragi pensant qu'il ne peut rien faire seul, mais Nagi, lui, pense à deux personnes en particulier, Hisagi et Reo. Que ferait-il là, maintenant? Pour Nagi, Hiragi est un peu comme un Hisagi, sauf que lui essaye de contrôler les gens,
alors que Isagi, lui, les stimule pour se sublimer. Et c'est bien pour ça que Isagi est si fort, car même quand il n'est pas là, son influence est telle sur les autres qu'ils deviennent meilleurs, juste à l'évocation de son nom. Ici, on a bien la démonstration que Isagi n'est peut-être pas le plus spectaculaire, mais il a un style qui rend les autres plus forts, le fameux football isagiste. Pour Nagi, il a toujours eu des gens qui croyaient en lui, mais cette fois, il doit agir seul, faire preuve de maturité et de responsabilité. Il a donc compris ici, dans ce match, que si des gens comme Reo et Isagi croient en lui, il ne peut pas les décevoir. Il doit changer, prendre conscience de son potentiel. Et comme tout un symbole, sur cette double page, Nagi amorce un retourné acrobatique où la tête de mort apparaît pour Iragi. C'est le signe qu'il est en face du dieu de la mort, le bourreau, comme je l'expliquais dans d'anciennes reviews, où la tête de mort signifie la sentence finale, le but. Et dans une superbe double page, tu peux voir que Nagi se charge de la sentence. En tant que dieu de la mort, il signe la fin pour Iragi, son équipe, lui qui croyait que cette carte était destinée pour Nagi. Et en plus de ça, histoire de bien l'enfoncer encore plus, Nagi fait la même chose que Iragi dans le chapitre précédent. Il s'appuie sur lui, la main sur son épaule, afin de booster son élan. Finalement, son retourné devient une reprise acrobatique avec une frappe surpuissante qui bat le gardien avec un rebond devant sa ligne. En dernière page, Nagi se persuade que sans Reo et sans Isagi, il peut lui aussi s'en sortir tout seul. Enfin, c'est ce qu'il croit. Le prochain chapitre s'appelle Way, qui devrait être un chapitre de transition avec la présentation du prochain match et la présence de Kyorajin, qui la seule fois où il a parlé, c'était au chapitre 254 de Blue Lock en disant « Ouais, ouais ». Est-ce un signe ou simple théorie? La réponse dans la prochaine vidéo. Blue Lock est sans pitié, seul le plus fort survivra. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Tu peux ranger tes crampons. On se retrouve très prochainement pour parler des arcs narratifs, des joueurs, des équipes, des théories de l'animé. Il y a tant à dire sur Blue Lock. Commente, like, abonne-toi, c'est important pour faire vivre cette communauté. Merci infiniment. Panenka et Sombrero. Allez, ciao.